Bonjour tout le monde et flash spécial, le roi d'Adidou va prendre part à la grande finale. Le Grand Prix d'Adidou a pris une tournure complètement folle. Tout le monde compte sur vous pour gagner et partager le gâteau. Ah non, moi je le partage pas, hein. Enfin, d'un côté on est obligé parce qu'on est Corby, mais si c'était moi, clairement je l'aurais gardé pour ma gueule. À moins que je l'aurais donné à Xerneas et Koopa Koopa et Bowser. Et à mes modérateurs. Merde, j'ai pas lu. Quoi qu'il en soit, je sais à qui va mon soutien. À vous les studios. Souviens-toi que tu te bats pour un délicieux gâteau. J'espère que ce qu'on bat va faire les gros titres de demain, du genre du gâteau pour tous, une victoire éclatante du duo de choc. J'ai suivi tes plus grands combats, mais celui-là s'annonce géant. Ne te fais pas écraser, d'accord? Ça ferait saturer mon micro. Donne-toi fond, j'ai vraiment envie de couvrir ta victoire. Quelle surprise, et juste avant la grande finale en plus, sa majesté a vraiment le sens du spectacle. Ah, c'est vrai quand même. Le roi ne retient pas ses coups, et le château risque de se... Les bâtards. Tu vas directement au combat? Je te soutiendrai quoi que tu fasses. Lui, c'est un bon. Personne ne l'a vu venir, mais tu vas affronter le roi, Kirby Rouge. Vous avez oublié Bandana, bordel. Respectez Bandana. Il y a bien une chose dont je suis sûr et certain. Seul le véritable Kirby est de taille à finir. Un super gâteau. Ouais, car ça, c'est que des copies de merde. Et donc, voilà. Attendez, on leur parle à eux. Enfin, je veux que tu saches que même si le roi te ratatine, on continuera à te soutenir. Lui, c'est un gentil garde. J'espère que le roi n'apprendra pas qu'on te soutient. Tant pis. Et si on se fait virer pour ça, ça en vaut la peine. Vous voyez, ils nous soutiennent tous et sont tous contre le roi. Donc maintenant, la grande finale va arriver. Et donc voilà, le combat final arrive. Enfin, c'est pas directement le combat final, ça va être comme les autres trucs avant le boss. Vous allez voir. Oh putain, il y en a 4! Plus le combat final, oh là 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 là. Ça va être très long, hein. Ouais. Ça, on est obligé de le prendre. Augmente votre force. Ah. Vas-y, puis si c'est une erreur, on changera plus tard si on perd. Parce que dites-vous que si on perd un truc, on doit tous retaper à zéro. Et ouais. Et oui, ils ont été très enfoirés dans ce jeu, hein. Ils ont fait les plus gros coups de pute qu'ils avaient pu, là, Nintendo. Ouais, donc là, c'est les calculs. Placez-vous sur le bon panneau. 1 plus 1, 2. Aïe, bâtard. Vous ne passerez pas. Nice. Ah oui, c'est vrai, c'est très bon. Attaquez vos adversaires. Oh oui, je l'ai eu. Meurs. Et nous en... Ah merde, si roi d'Adidou nous a attaqué Bandana. Transporter 3 pommes. D'accord. Je transporte tout, moi, tu crois quoi? Non. Allez, pute. Non. Ah, mais ça a quand même compté. Bah, tant mieux, je pense. Ok, donc on s'éloigne un peu. Allez. Et eux, ils ont pas attaqué, donc tant mieux. Ça aurait été bien que Bandana attaque, mais c'est pas grave. Au moins, on a gagné un point. Transporter 3 pommes. Oh, ils sont chiants avec ça. Ah, je m'en fous, ça compte maintenant. Yeah, ça a pas compté pour Dadidou et l'autre. Allez, on arrive. Évitez les astéroïdes. Allez. Toi, tu meurs. Réveille-toi, Kirby. Oh putain. Oh oui. Oh oui, Dadidou, il s'est fait avoir. Ah, et Bandana aussi, merde. Évitez la foudre.
Oui, bon, là, clairement, le truc qu'on peut faire, c'est... Oh, le fils de pute! J'ai jamais vu un fils de pute comme ça. Bon, encore, ça va, on n'a pas perdu, mais voilà, quand même, quoi. Très gros fils de pute. Éviter les astéroïdes. Ok, bah là, clairement, je vous dis, on se défoule, on les tape, on les tue. Mais... Allez, au moins je me suis défoulé et on a gagné. Allez, tiens, niquez vos mères. Et après, il censait être notre ennemi, bordel, hein, il nous applaudit. Oh merde. Ah ouais, quel pouvoir va-t-on prendre? Vous avez rien vu. Vous n'avez pas vu le pouvoir que j'ai. Ok? Bon, maintenant vous pouvez le voir. Par contre, hein. Ah oui, mais plagiat du doux jusqu'au bout, hein. Et merde. Oh, ça c'est bien, Waddle Dee. Là, t'es un bon. Ah, on est dessous. Félicitations. But. En plus, plein ont bien devant eux pour leur foutre la haine. Yay! On gagne! Ah, le bâtard! Allez, c'est bien, Waddle Dee. Ah, yes, maintenant ça va compter par deux, hein. Ouais, par deux. T'imagines, là, c'est par trois. Ça aurait été tellement cheaté, mais ça aurait pu être cool. Fils de pute. Nice. Ah putain, j'ai faim, faut que je mange après cette vidéo. À moins que je fais une ellipse. Qui sait? Nia, nia, nia. Vous ne le saurez pas. Sachant qu'il y aura sûrement une ellipse à un moment parce que je devrais faire un petit truc. Je dois. Donc voilà. Allez, si moi je me prends le truc, faut que je possède Dadidou, car il est beaucoup plus puissant que le soldat. Et donc ça pourrait être un plus gros problème. Hi. Oh putain, il y a le fantôme. Elle fantôme, il a eu le soldat. Et même, de toute façon, si on se fait avoir, faut au moins qu'on arrive à avoir une tonne de pièces. Et merde. Ok, je vais posséder Wadi Dadidou. Car vu qu'il est beaucoup plus fort, voilà. Et merde. Ah, c'est Bandana.
Bon, allez, moi je me casse, hein. Wow! J'avais sauté pourtant. Allez, Daddy Dou. Mais quoi? Mais non, mais. Mais d'où? Mais. Mais nique ta mère! Nique ta mère, la pute! Ah, c'est bon. Oui, je sais qu'on est en vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais là, je ne me concentre pas sur la vidéo, je me concentre plus sur ce jeu de merde. Mais nique ta mère! Non! Putain! Oh oui. Putain. Fils de pute! Oh putain. Allez, prenez ça dans votre mère, bande de fils de pute. Ah, c'est bon, là, je vais devenir violent. Il me casse les... Oh, putain. Oh putain, il y a le fantôme. Prends Dadidou, il est faible et il pue la merde. Oh, il l'a pris en plus. Bon, allez, moi je me casse, hein. Mais oui, mais vas-y, c'est ça, allez. Allez, tiens, là, nique ta mère. Allez, tiens là.
Putain. Ah non, mais c'est chiant. Allez. Oh putain. Allez, dernier mini-jeu avant le combat final. Là, si on le perd, ça me cassera vraiment plus les couilles à moi qu'à vous, car je devrais tout me retaper à zéro. Juste pour le coup, là, je pourrais détester la licence Kirby. Hein. Ah, juste pour ça, je détesterais la licence Kirby. J'en ferai plus du tout sur ma chaîne. Hein. Mais nique ta mère! Allez, tiens, nique ta mère. Allez, meurs. Toi, tu meurs. Wesh! Comment il est en vol plané, Kirby? Hier. Tu ne mourras pas. Vite, 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 vite. C'est bien, dégage-le. Dégage Dadidou maintenant. Allez, fais-le pour moi, mon chien. Ah, le fils de pute. Oh, tiens. Toi, je vais te niquer ta mère, tiens. Oh putain, le cadeau. Allez, prends ton roi de merde. Allez, tiens, nique ta mère. Nique ta mère. Nique bien ta mère, là, dadidou de merde. Putain, combat final maintenant. Enfin, je suppose. Enfin, c'est bizarre parce qu'on n'a pas eu la reine. Donc, est-ce que le combat final, ça sera la reine? Enfin, ça serait quand même assez nul, hein. Mais je pense hein, que le combat final sera la reine. On a réussi, on a vraiment réussi. On est les champions. Tu arrives à y croire? Oui. On a affronté ton adversaire côte à côte. Merci, Kirby. Et maintenant, on a même bien mérité de savourer un délicieux gâteau. Passez vite. Qui a dit que vous aviez gagné? C'est loin d'être terminé. Mais votre majesté, nous avons remporté tous les combats. Oui, et alors? C'est mon grand prix et il sera terminé quand je l'aurai décidé. Mais c'est pas juste. Si tu veux ce gâteau, Kirby, il te reste une dernière chose à faire. Tu dois vaincre mon équipe sans l'aide de ton partenaire. Honte pour la reine, pour l'ultime concentration. Oh putain. Ah non, c'est vrai. On a les petits trucs cheat. Alors, pour ce combat final, quel pouvoir va-t-on utiliser? Putain, j'aurais dû faire un sondage, quoi. Pour dire, combat final, j'utilise quel pouvoir? Bon, bah, on va utiliser le pouvoir qu'on a toujours utilisé dans ce jeu. Je pense pas que c'était choquant, hein. Ah non, mais le pire, c'est qu'on a même pas notre truc, quoi. On peut même pas cheater. Merde. Et là, le pire, c'est qu'ils sont les trois contre moi, quoi. Alors, lui... Bon, ok, je me suis fait baiser sur le coup, je l'assume. Ah!
Ouais. Attendez, je regardais le. Ah, yes, je l'ai eu. J'ai eu le plus gros. J'ai le gros poisson. Ah, le bâtard. Ouf, putain. Non, 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 non. Toi, tu me buteras pas. Non! Putain, j'espère que je devrai juste recommencer ce combat. Attends, c'est juste le combat que je dois recommencer ou pas? J'ai peur. Tant qu'on recommence que le combat, moi ça me va. Donc maintenant je sais que là si on perd, on se retape que le combat. Bon, par contre, hein, vous êtes pas très fair play, bande d'enculés, hein. Allez, moi je me casse. Voilà. Eh bâtard! Ah putain. Mais wesh! Putain, les trois là. Non mais nique ta mère. Mais... Ah putain, c'est bon enfin. Il nous restait que 10 points de vie. C'était spectaculaire, Kirby, je savais que tu y arriverais. À nous la récompense. Pas si vite! Donc là, je pense que ça doit être la vraie phase finale. Hein. Mais votre majesté, on a gagné tous nos combats. J'ai travaillé dur pour mettre sur pied le Grand Prix d'Adidou. Alors j'affronterai Kirby en duel si j'en ai envie. Ah, sur ce coup, il a pas tort. Il est hors de question que je te laisse gagner. Tu pensais vraiment t'en tirer à si bon compte? Ah ah ah, eh bien j'ai une petite surprise pour toi. Suis-moi. Ah, maintenant on va enfin savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Ah, ça c'est cool. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Moi! Je vous laisse la petite musique stylée, hein. Kirby! Attends, on ne sait pas ce qu'il se cache derrière cette porte. Kirby! Je vais trouver un moyen de l'aider. Alors, que se cache-t-il derrière cette porte? Ah, c'est ça, Kirby. Monte dans l'ascenseur derrière le trône. Je m'en fous, je suis un Thug Life. Je veux aller sur le trône. Par contre, lui. Allez, plus qu'un. Le pauvre, il s'est tellement éclaté à faire ce robot de. C'est Kirby, c'est faux Kirby de merde qu'il est mort. Pratiquement. Allez, c'est parti pour le combat final. Là, je pense que ça doit être le vrai. Non, parce que si c'est pas le vrai, Nintendo, allez vous faire foutre, hein. Clairement, allez vous faire foutre si c'est pas le vrai. Ah, si, là, c'est sûr que c'est le combat final. Ça fait très combat final. Oh putain, la musique. Oh, cette musique, remixée en plus. La musique a été remixée en plus. Oh, c'est magnifique. C'est le combat final, donnez tout. Le Daddy Douleur Z. Ah, je pense qu'il faut se mettre en mode vue de... En mode dégueulasse. Wow. Ah, le fils de... Bon, bah, il est quand même con, hein, ce Kirby. Kirby! Utilise ça! La musique de Dadido a été remixée. Mais pourquoi ça? Merde,
C'était pas ce que je voulais faire, mais bon. Mais il est vraiment con ce Kirby. Ok, donc là on commence très mal le combat. Hein. Bon allez, meurs. Ouais. Wow. Ah, il est très stylé ce combat final. Hein. Donc là, je pense que la technique, c'est de lui envoyer plein de Kirby à la gueule. Merde. Quand je dis plein de Kirby, je parlais pas de moi. Hein. Oh, mais il s'est donné tout seul, le con. Hein. Oh, lui, c'était carrément une offrande, quoi. Au but! Allez, on l'a eu en plein milieu. Maintenant, on peut l'attaquer et le tuer. Ok, lui s'est donné tout seul. Hein. D'accord, s'il veut, après tout, hein, c'est son choix de vouloir crever et m'aider. Hein. Oh purée. Oh yes, j'en ai eu un. Meurs. Non. Yes, on l'a eu. On l'a eu? Non, je pense pas que c'est terminé. Il doit avoir une deuxième phase, hein. C'est sûr, il doit avoir une deuxième phase. What? Bah d'accord, c'est terminé, mais je pensais qu'il y aurait une deuxième phase. Enfin, c'est bizarre quand même. Bon, bah je vous laisse la cinématique, hein. On va les découvrir tous ensemble. Oh putain, c'est tellement beau. Meta Knight. Bon, et bien, merci à vous tous d'avoir vu ce let's play de Kirby Battle Royale. Donc, ne vous inquiétez pas, les crédits montent. Hein. Donc, voilà. Merci d'avoir vu ce let's play de Kirby Battle Royale. Un jeu bien rageant. Enfin, surtout la vidéo de samedi dernier. Hein. Mais bon. Mais quand même, le combat final, je pensais qu'il y aurait une deuxième phase. C'était assez bizarre comment ça s'est terminé, mais bon.
Je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais c'était très bizarre. Mais bon, voilà, ça nous fait un let's play de plus de terminé. Un let's play de Kirby aussi, qui est terminé, hein. Et puis, le prochain let's play du samedi. Bon, j'ai prévu que ce soit Mario Party 2. C'est Mario Party 2, le prochain let's play du samedi. Oui, c'est lui. Mais il sortira pas directement samedi prochain. Il sortira dans 2 semaines, 3 semaines, voire même dans 1 mois. Hein, parce que j'ai un peu quand même envie de me concentrer un peu plus sur les let's play principaux. Et pas trop sur les let's play du samedi. Mais bon, parce que je pense que vous l'avez remarqué la semaine dernière, comme quoi, tout simplement, voilà quoi. J'ai tellement. Bon, j'avais la flemme de tourner des vidéos, mais j'ai même pas pu tourner des vidéos de Pokémon Ultra Lune. Et ça s'est arrêté à l'épisode 11. Donc voilà quoi. Donc, et là, j'ai fait bah, l'épisode 9, 10 et le 11e, c'est-à-dire celui-là. Bah, tout simplement, je l'ai tourné dans la même journée. Hein, j'ai pas voulu attendre. Comme ça, moi, dehors, c'est déjà fait. Et aussi, bah, comme ça, moi, voilà, ça me fait un let's play en moins à travailler. Enfin, à tourner. Et donc, voilà. Et donc, tout ce que je peux vous dire, c'est merci d'avoir vu ce let's play Kirby Battle Royale. Parce que, quand même, Battle Royale, pour ceux qui sont comme moi qui aiment bien les jeux Fortnite, vous pouvez comprendre Kirby Battle Royale, Fortnite Battle Royale, t'as compris la blague. Tu l'auras compris de toute façon. Donc, voilà, ce jeu est fait par Nintendo et Al Laboratory Inc. et Nintendo sont les auteurs de ce logiciel au regard du droit d'auteur, tout droit réservé 2017. Oh, c'est beau un Kirby! Et le roi Dadidou qui a le seum mais qui a une plus grande couronne. Tiens, peut-être que ça sera cette image là. Dites-vous que ça sera peut-être cette image là, le. Bah. Exceptionnellement, ça sera cette image là. La miniature de la vidéo. Qui sait? Je pense que ça sera celle-là, car elle est quand même bien stylée. Donc ouais. Le roi Dadidou est disponible dans les récompenses. Vous pouvez l'incarner en ligne ou en partie rapide après l'avoir déverrouillé. Ah d'ailleurs, oui, j'ai envie de vous montrer quelques trucs. Collection. Ah non, médaille. Parce que dans médaille, on peut voir on a fait combien de pourcents du jeu. Et donc là, donc avec toutes les médailles qu'on a eues, en tout, je cache mon doigt. Hein. Donc regardez toutes les médailles qu'on a eues. Et donc en tout, avec toutes les médailles qu'on a eues, on a quand même fait 35% du jeu. Donc je sais que c'est pas ouf. Mais voilà. C'est pas très grave. Mais bon, voilà. Non! D'ailleurs, je me demande, les amiibo, est-ce que ça nous sert à avoir bah, de l'argent en plus? Ouais. Je sais pas. Donc, pouvoir. Allez, je m'achète Roi Dadidou. Oui, on peut aussi avoir Meta Knight. Je l'ai acheté avant la vidéo. On peut avoir Meta Knight et je l'ai acheté avant la vidéo. Voilà. Mais j'avoue qu'ils ont quand même posé une très bonne question. Oh, vous allez voir. Est-il un allié ou un ennemi de Kirby? Cet épéiste est nimbé de mystère. Et oui. Est-il un allié ou un ennemi de Kirby? Ça, on ne le saura jamais. Le roi de Dreamland ne se sépare jamais de son marteau préféré. Si vous avez vu l'animé, vous comprendrez pourquoi. Donc, ouais. Et donc ça pourrait être très stylé, tiens. Peut-être. Et d'ailleurs, vu qu'en plus on peut faire le mode histoire avec Meta Knight, et ben, peut-être qu'un jour, quand j'aurai pas d'idée de let's play du samedi, ben tout simplement, on refera le jeu, mais avec Meta Knight. Donc je sais que c'est complètement con, mais voilà. Contrairement à Kirby, Meta Knight, lui, on peut pas lui changer de pouvoir. Et ça, c'est quand même pas rien. Hein, c'est un peu. Ça va être un peu bizarre de pas utiliser d'autres pouvoirs. Mais ça pourrait être cool. Donc ouais, reste à voir. Mais bon. Là, la lance. 15 000. Et eh ben c'est bon, on a tout acheté, on est pauvre. On n'a que 20 pièces maintenant. On est pauvre, c'est la dèche. Et donc, et ben voilà quoi. Et donc voilà. Et donc voilà, si cette vidéo et ce let's play de Kirby Battle Royale vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner.
sur ce, c'était les Mikoupas. Et puis moi, je vous dis salut tout le monde. Et ce jeu, je leur touche plus. Je leur touche plus. Maintenant, je vais le vendre. Ah bah, à quoi je le vends? Moi, je m'achète un autre jeu, hein, un peu plus cool. Et donc, voilà. Mais attendez, d'ailleurs, non. N'arrête pas la vidéo maintenant, car j'ai envie de voir un truc encore. Par exemple, si on termine le jeu, si on termine le mode histoire, qu'est-ce qu'il se passe après? Est-ce qu'on a quelques petites quêtes annexes? Est-ce qu'on devra se retaper le boss? J'ai envie de voir. Ouais, donc non, il se passe rien. Donc oui, en fait, c'est de la merde, il se passe rien. Et bah, ouais. C'est dommage. Je pensais qu'il allait se passer un truc, mais bon, tant pis. Hein. Mais bon, voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, et ce let's play vous a plu aussi, je vous invite à liker, commenter, partager, et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était les Mikoupas. Et puis moi, je vous dis salut tout le monde, et à bientôt pour un prochain let's play. Salut!